CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Tu ne pourras plus. Tu n'es pas plus. C'est fini. Merci Saint-Esprit. Tu es les yeux ouverts. Il y a quelque chose. Ça marche. Touche là-bas. Touche là-bas. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. CNN News, Congo Number One TV. Voilà, chers amis, avec nous, toujours sur CNN News, Congo Number One, dans votre émission Adiloba. Spécialement, nous sommes déplacés pour vous parce que la diaspora va congolais, bolelaki, botambolaki, naba combattant, naba chrétien, naba païen, botambolaki pour soutenir famille Coutinho, archibishop papa Coutinho. Mais quand c'est aujourd'hui, bakou malamu, y'a comment la maman et mon kaza awa, toyemba, on attend mon kaza namo, toyoka quand même, maman, comment elle se retrouve dans ma cambo, ministère. Et les cas d'ingé nini. Y'a moi tout lundi, maman a un bang. Maman, aux autres amis candidats, aux autres sécateurs de la vie.
et comme ingonga mi pepe na yo et mon aïeux copima et kokota calme copima na vie. Voilà pourquoi la sali awa depuis le dimanche, lundi, mardi, mercredi et comme ça la mercredi miracle bato malade ba ya bato ba problème ba ya ba Allez, levante tes mains. Jésus se réveille. Oh, CNN News, Congo Number One TV, votre site d'information. Number One en qualité, Number One en actualité, en temps réel. Les tempêtes, ce sont les tempêtes qui s'élèvent et tu n'arrives plus à se positionner. Et pourtant, un enfant de Dieu doit se positionner. Amen. Là où tu es, toi, tu dois te positionner. Yes. Dans ton mariage, tu dois te positionner. Mm. Dans tes études, tu dois te positionner. Bien-aimé, dans ton travail, tu dois te positionner. Amen. Là où tu sens que les choses ne marchent pas encore, maintenant, tu dois te positionner. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Yes.
Parce que c'est avec Dieu. C'est avec Dieu maintenant que tu dois faire les exploits. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que tout homme soit déclaré menteur. Et les hommes sont des menteurs. Les hommes sont des menteurs. Bien aimé, le cœur de l'homme est ordonné comme ça. Comme les serpents. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il pense. Mais au moins tu connais la pensée de Dieu. Amen. Dieu dit, on te fera la paix. Mais ils ne te vaincront pas. Dieu dit, ils viendront sur un seul chemin. Mais ils ne retourneront pas à cette heure. Crois à cette parole. Accepte cette parole. Bien aimé, comme j'ai dit au début, il y a de cela 3 semaines, le Saint-Esprit s'est révélé à moi dans une vision pour me montrer la véracité de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole que nous écoutons est vraie. Amen. La parole est vraie. Amen. Et elle est digne de confiance. Amen. J'ai dit, je n'ai pas besoin de comprendre ton problème. Je n'ai pas besoin de connaître ta situation. Amen. Mais je t'ai dit, je te prends là où tu es. Yes. Dans ton échec. Yes. Je te prends là où tu es. Amen. Dans ta confusion. Amen. Je te prends là où tu es. Là, on a dit que tu ne peux plus rien faire. Je te prends au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va te prendre en charge. Yes. Jésus-Christ, plus fort que la tempête. Yes. Plus fort, bien-aimé, la tempête qui s'élève dans ta vie. Tu ne sais pas comment je dois me prendre, comment je dois m'en sortir. Mais bien-aimé, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est plus fort. Amen. Jésus-Christ est plus fort que la tempête de la maladie que tu es en train de voir. Amen. Non, toi tu ne mourras pas. Amen. Toi tu vivras. Amen. Parce que toi tu raconteras. Amen. Crois à la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Jésus-Christ est plus fort que la tempête de la pauvreté. Tu te dis comment je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Parce que Jésus-Christ va te donner même la récolte, même là où tu n'as pas semé. Telle est sa promesse. Alléluia. Bien aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Qu'on ne te trompe pas. Alléluia. Jésus-Christ 100% homme. Jésus-Christ 100% Dieu. Alléluia. Il était là dans la barque, bien-aimé. Et les disciples étaient étonnés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme toi, tu t'étonnes. Tu te dis, Seigneur, j'ai tout arrêté à cause de toi. Seigneur, j'ai tout abandonné à cause de toi. Bien-aimé, si tu as tout abandonné à cause de Jésus, maintenant il faut persévérer. Amen. Beaucoup de gens ont tout abandonné à cause de Jésus, mais il manque la persévérance. Qu'est-ce qui trahit ces gens-là? C'est cette manque de persévérance. Quelqu'un croit que parce que les choses ne marchent pas, moi aussi je m'arrête là. Non. Alléluia. C'est comme je t'avais dit, je te prends là où tu es. Je te prends là où tu es. Maintenant, nous y allons. À la fin, mercredi, nous dirons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus-Christ est plus fort que la tempête. Amen. Quelles sont les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie? Tu tentes toutes choses pour pouvoir peut-être réussir ceci, mais ça ne marche pas. Je te dis que Jésus-Christ est plus fort. Il est plus fort que les paroles des hommes qui lui sont dites de sur toi. Jésus-Christ est plus grand que tout ce que les hommes peuvent te présenter. N'ayez peur de personne. Oh, des tantes, oh, des oncles, ce sont des personnes. Jésus-Christ est au-dessus d'eux. Toi, avec Dieu, tu dois réussir ici en France. Amen. Toi, avec Dieu, tu dois faire des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel était leur problème? Ils étaient avec Dieu, ils ne pourraient pas faire des exploits.
Pourquoi? À cause de l'eau qui s'était soulevée. À cause de la tempête qui s'était soulevée. Il ne pouvait pas évoluer. Oui, bien-aimé, tu voudras évoluer, mais tu te sens bloqué. Tu te sens paralysé. Bien-aimé, tu te sens comme quelqu'un qui est en train de tourner sur place. Tu es en train de faire de sur place. Cela peut finir. C'est un esprit. C'est un esprit. Toi avec Dieu, pas avec les hommes. Alléluia. Bien-aimé, tu es arrivé au niveau où tu dois faire retourner les hommes. Amen. Ne regarde pas au rejet. Qu'est-ce que les hommes disent? Tu es rejeté. Tu es déconsidéré. Ça, ce sont les hommes qui parlent. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les tempêtes de la vie, bien-aimé. Mais je te dis, Jésus-Christ est plus fort. Et la tempête. Jésus-Christ est plus fort. Et la tempête. Mon mari ne reste pas à la maison. Ça ne marche pas. Jésus-Christ est plus fort. Bien-aimé, les gens, les amis sont en train de réussir ici en France. Mais pour toi, les choses sont contraires. Jésus-Christ est plus fort. Tu te dis, Seigneur, je n'ai même pas abandonné ton nom. Je continue à prier jusqu'ici en France. Félicitations. Les gens manquent l'esprit de persévérance. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Amen. Persévérer quand même les choses ne marchent pas. Yes. Ne te cache pas, ne te mets pas en cachette. Oh, je ne peux pas sortir parce que les gens déjà connaissent ma situation. Je m'en fous. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je fais des choses avec Dieu. Quand même les gens te disent, tais-toi. Reste à l'écart. Toi, tu ne peux pas parler. Crie encore très fort. Amen. Manifeste-toi encore très fort. Parce que maintenant, le résultat que tu attends, ce ne sont plus les hommes qui vont te les donner. Amen. Avec Dieu. Yes. Avec Dieu. Yes. La Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Qui es-tu pour venir intercaler ma vie? Amen. Moi, je suis dans la parole. Je dois persévérer dans la parole. Ce que Dieu a dit sur moi, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Parce qu'au commencement de toutes choses, afin que qui que soit arrive, la parole était déjà là. Et la Bible dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est comme Dieu m'avait parlé en vision. Parole égale Dieu. Alors si j'accepte cette parole, automatiquement, toutes les tempêtes tombent. Toutes les tempêtes s'écrasent. Amen. Je ne sais pas quelle tempête qui dérange ta vie. Oh, depuis que je me suis marié, les choses ne marchent pas. Ça va marcher. Je te prends là où tu es maintenant. Allons-y. Amen. Avec Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. C'est ce qui fait qu'il y a, qu'il y a la mort des projets. Des projets qui ne s'épanouissent pas. Tu te dis des choses, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Cette année 2014, quel programme que tu te fais arrêter? Mais jusque-là, rien ne se réalise. Manque de persévérance. Tu as parlé qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais quand le vent se soulève, quand l'eau, la pluie souffle, quand la pluie tombe, quand les torrents soufflent, tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus. Bien-aimé, je te dis la vérité. Quand tout est noir, quand les choses ne marchent pas, crois-le. Amen. Qu'il est là. Amen. Qu'il est là. Dieu est encore plus proche de toi. Amen. Quand tout est noir, quand les choses ne marchent pas, alléluia, il est là. Il faut que tu arrives à ce que les hommes t'abandonnent. Il faut que tu arrives même en Europe si tu ne réussis pas. Pendant que les autres sont en train de réussir. Mais je te dis la vérité, c'est là où Jésus, il est là présent. Amen. La barque, bien-aimée, est en train de s'agiter. Parce que l'eau est en train de se soulever. Et il se disait, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Nous allons mourir. Mais pourquoi tu vois déjà la mort? Partout tu vois la mort.
je chasse l'esprit des morts en toi. Amen. Pourquoi tu marches avec la mort? Partout tu vas, c'est la mort. Non, bien-aimé. Que Jésus-Christ se révèle en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient là, Jésus-Christ était là. Et ils voient la mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, réveille-toi. Sauve-nous, nous mourrons. Sois libre. Bien-aimé, le principe de vie, c'est Jésus-Christ. Il ne va pas te trahir dans ta foi. Amen. Il y a des gens qui se disent, Seigneur, j'ai trop prié. Le Seigneur m'a trahi. Le Seigneur ne te trahira jamais. Amen. Tout ce qui t'arrive, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Amen. Tout ce qui t'arrive, c'est pour que tu puisses témoigner. Yes. Quand les autres ne peuvent plus témoigner de Jésus, toi au moins tu auras un témoignage. Amen. Tu diras aux gens, avec Dieu, j'ai fait des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je chasse l'esprit de mort. Tout ce que tu fais, bien-aimé, a comme résultat la mort. Il y a des gens déjà dans les gens, dans la vie déjà, vivent déjà la mort spirituelle. Tu es là, mais tu n'es plus en vie. Spirituellement, tu es déjà mort. Et pourtant, c'est le spirituel qui produit le physique. Il faut que tu gagnes dans le spirituel afin que tu contrôles le physique. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai dit que tu ne mourras pas. Amen. C'est moi qui te le dis. Je suis l'envoyé de Dieu cet après-midi. Amen. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Amen. Peu importe les tempêtes qui s'élèvent, parce que tu vivras, parce que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Dieu n'est point un homme. Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que la tempête pourra peut-être attaquer là où il n'y avait pas Jésus. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, là où la tempête va attaquer, c'est là où il y avait Jésus. Est-ce que la tempête ne connaît pas Jésus? Elle connaît Jésus. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Bien-aimé, n'aie pas peur. Tu peux t'en sortir vainqueur avec Jésus. Avec Jésus. Ce qui est arrivé dans ta famille, papa, maman, ça n'a pas marché, toi ça marchera. Parce que ça marche avec qui? Avec Jésus. Les disciples ont oublié. Beaucoup de gens oublient. Quand vous arrivez en Europe, vous voyez que la viande est facile, vous voyez que la semoule est facile, vous oubliez. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Croyez-le que partout vous serez bien-aimés avec Dieu. Alléluia. Vous ferez des exploits. Amen. Annule la condamnation dans ta tête. Dans notre famille. Annule ça au nom de Jésus. Amen. Moi, je ne suis plus dans cette famille. Moi, je suis dans la famille royale. Amen. Dieu le Père m'a adopté. Bien-aimé, change ta façon de voir les choses. Et change ton monde. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu et maintenant de changer ton monde. De changer ton monde et tu seras capable de dire avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Il pourvoira, bien-aimé, à tous tes besoins. Il pourvoira à tous tes besoins. Et voilà que les disciples étaient devant un besoin. Ils ont oublié que Jésus était là. Je veux que l'on mette dans la tête tout ce dont nous voulons avoir, nous pouvons les avoir au nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin, même les habits, au nom de Jésus. Même le voyage, au nom de Jésus. Même la paix, au nom de Jésus. Même le succès, au nom de Jésus. Bien aimé. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Tu dois avoir la révélation du nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir la révélation du nom du grand roi. Amen.
Tu dois avoir la révélation de ce, du nom de celui qui a changé l'eau en vin. Révèle-toi, relève-toi. Tu y as Jésus. Peu importe les tempêtes qui s'élèvent. Non, bien-aimé, tu y as celui qui tient le monde entier entre ses mains. Alléluia. Il contrôle toutes les choses. Naturellement, aujourd'hui, dans nos églises, vous voyez des gens qui ne réussissent plus quand ils prient pour les gens, quand ils proclament la parole de Dieu. Maintenant, oh non, c'est l'esprit de contrôle qui me contrôle. Mais non, Jésus-Christ, c'est lui qui contrôle ta vie. L'ennemi, qu'est-ce qu'il peut faire pour ta vie? Il dit qu'avec lui, nous écraserons nos ennemis. Les ennemis sont la tempête, sont les hommes physiques, sont les hommes spirituels. Qu'est-ce qui te dérange? Relève-toi et agis. Amen. Relève-toi et agis au nom de Jésus. Bien-aimés, ils étaient là. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Donc, ça dit qu'ils étaient là, la barque était en train de s'agiter, la barque était en train de se soulever. Mais Jésus était là. C'est ce qui nous arrive. Bien-aimé, Jésus est là dans ta vie. Bien-aimé, Jésus est là dans ta vie. Il n'a pas changé. Il est ce Jésus qui a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Et pourquoi tu crois que parce que tu cherches l'argent, Jésus t'a abandonné? Et pourquoi tu crois que parce que tu es dans un pays étranger, Jésus t'a abandonné? Il est là. Il est là. Là où tu te dis que je suis bloqué. Non, tu n'es pas bloqué. Jésus est là. Alléluia. Mais tu as oublié. Jésus est là, mais tu n'as plus la foi. Jésus est là. Bien-aimé, tu vas transporter des montagnes. Alléluia. Et la Bible dit que le disciple s'étant approché, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voilà un autre ennemi qui dérange nos vies. Quand un malheur arrive, quand une épreuve arrive, quand un problème arrive, moins de discussion dans une famille, qu'est-ce que les gens voient? Les gens voient déjà la fin. C'est l'esprit de mort. Est-ce que tu me comprends? Directement, directement, tu conclus. J'ai écouté une femme qui m'a dit, maman, si je savais, je n'allais pas me marier avec cet homme. Mais tu dois te battre pour te positionner, pour te stabiliser. Pourquoi tout le temps voir les divorces? Les femmes en Europe ne voient que les divorces. Si ça ne marche pas, je vais chez le social. Et qui vont sauver ces hommes-là qui ne connaissent pas Jésus? J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Les gens sont devenus des égoïstes. Ils font des choses pour eux-mêmes. Ils veulent réussir eux-mêmes. Tu vois, on te paye beaucoup d'argent. Tu te dis, bon, déjà j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai plus besoin de ceci. Non, tu en as besoin. Bien-aimé, dans la vie, on a besoin de plus petit que soi. Que soi-même. Comprends ça. Alléluia. Je chasse l'esprit des morts. Les gens voient la mort partout. Parce que je n'ai pas réussi aux études de ce que c'est la fin. Parce que tel fiancé ne m'a pas épousé, c'est la fin. Parce que je n'ai pas encore d'enfant, c'est la fin. Bien-aimé, positionne-toi, tu as Jésus. Avec lui, maintenant il est temps que les grandes choses sortent. Alléluia. Bien-aimé, avec Jésus, tu peux percer. Et les gens vont s'étonner. Et c'est quoi? Tu as touché des... Non, ce ne sont pas des fétiches. C'est Jésus. Amen. Jésus plus grand que les fétiches. Alléluia. Jésus plus grand que la mort. Jésus plus grand que la tempête. Pourquoi tu es fini? Pourquoi tu es bloqué? Tu te dis comment je vais m'en sortir? Par où je vais commencer? Il y aura toujours quelque part
où tu commenceras. Alléluia. Alléluia. Ils étaient les bien-aimés. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Je veux que cet esprit quitte ton territoire. Amen. Les problèmes peuvent arriver, mais prie le Seigneur. Proclame sa parole, proclame ses promesses. Hey, bien-aimé, nous sommes en alliance. Je vais te dire que tu es en alliance avec Dieu. Amen. Dieu ne va pas décider comme ça de ta mort. Non, il ne le fera pas. Mais Dieu va négocier avec toi. Il va parler avec toi. Et toi aussi, parle avec Dieu. Amen. Tu dis, Seigneur, tu as dit. Amen. Seigneur, tu as dit. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas la mort. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. N'écoutez pas ce que tes ennemis racontent. N'écoutez pas ce que le médecin te raconte. Alléluia. Bien-aimé, n'écoutez pas les ondits. Les ondits. Vous savez, nous qui sommes populaires, nous avons déjà appris, moi j'ai déjà appris à affronter les ondits. Il faut affronter les ondits. C'est les ondits qui nous tuent. Ils ont dit. Ils ont. Il paraît. Tais-toi. Au nom de Jésus. C'est l'esprit des morts qui amène la mort. Les gens ont dit, tu ne sais plus évoluer. Non, bien-aimé, avec Dieu, c'est cette année, tu feras des exploits. Bien-aimé, avec Dieu, ta famille verra comment Dieu te répond. Bien-aimé, avec Dieu, ne prends pas de comprimés pour t'empoisonner. Et ne cherche pas à empoisonner celui qui est en train de te faire du tort. Ce sont des lâches qui les font. Il faut apprendre à affronter l'ennemi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Quelle était leur réaction? Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Les gens ne voient que la fin. Les gens ne voient que la défaite. Voilà, ces jours ici, comme je n'ai plus l'argent de ce que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça vient. Alléluia. Dieu peut-être est en train de travailler ton expérience. Dieu te met à l'école. Des choses que tu es en train d'endurer, tu es à l'école de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es à l'école de Dieu. Ne vois pas la fin. Pourquoi tu vois la fin? Oh Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Quoi? Non, bien-aimé. Qui t'a dit que c'est le péril? Non. Jésus est là. Jésus est là. C'est une histoire que tu commences avec Jésus. Tu vas continuer avec Jésus et tu vas la terminer avec Jésus. Les hommes doivent s'étonner. Les gens vont s'étonner. Alléluia. L'archibishop m'a donné ce message pour que je puisse le partager avec vous. Lorsque vous acceptez les exploits dans votre vie, soyez prêts à vivre une vie d'étonnement. Une vie d'étonnement. Les gens seront étonnés de vous. Ils vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Oui, les gens doivent être étonnés. Les gens doivent être étonnés. Alléluia. Bien-aimé, relève-toi, affronte les ondits, relève-toi, même tu peux même rêver, voilà j'ai rêvé, on m'a empoisonné, alors ce jour ici apparemment, non, relève-toi, bien-aimé, la Bible dit même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien, restez dans la parole de Dieu, alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu des exploits. Quand on parle exploits, c'est l'étonnement. Tout celui qui marche avec Dieu vit une vie d'étonnement. Et toi aussi, tu dois vivre une vie d'étonnement. Les gens vont s'étonner de ta vie. Comment dans un pays étranger, Dieu te bénit? Tu ne vivras plus de miettes. Tu ne vivras plus de miettes. Alléluia. Mais dans un
un pays étranger, bien-aimé, tu seras dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un accepte la saison de ton vivant? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la fois passée, j'étais ici, un réseau de femmes m'avait invité. Alors, il y avait une femme qui venait de Lyon, là où il y a notre pasteur de Lyon. Cette femme-là, elle m'appelle souvent à Kinshasa. Elle était même à Kinshasa. Quand elle était à Kinshasa, elle avait fait une toux qui ne finissait pas. Elle faisait une toux qui ne finissait pas. Ça, tu peux prendre le médicament, ça ne finissait pas, ça ne finissait pas. Et une fois, elle me suivait à la radio. Pendant que j'étais en train de dire, une femme, tu es en train de me suivre. J'étais en train de parler comme si je parlais à elle comme ça. Elle me dit, maman, quand vous êtes en train de parler, vraiment, je sentais que c'était moi. Et j'ai dit, quand je termine à parler, quand je dirai Amen, directement, tu vas voir comment Dieu va te guérir. Bien-aimé, le plus grand problème chez nous, les chrétiens, nous allons comprendre. La tempête, quand elle s'élève, mais la tempête connaît Jésus. Quand la tempête s'élève, la tempête, ce sont des problèmes. La tempête, ce sont des épreuves. La tempête, ce sont des confusions que vous êtes en train de vivre. Mais croyez que vous avez une particularité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as une particularité. Tu es à l'écart. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la tempête qu'elle s'élève comme elle veut. Mais toi, tu as une particularité. Amen. Dieu est dans ta barque. Dieu est dans ta barque. Amen. Cette femme a cru. Et directement, la toux a séché. S'est arrêtée. La toux s'est arrêtée. Elle se réveille le matin. Elle se dit, c'est fini. C'est ce qui fait que cette femme avec un cancer généralisé, elle est encore venue me suivre là où j'étais la fois passée. Elle m'appelle encore, maman, je viens de chez mon médecin qui est étonné du résultat qu'il a trouvé sur mon état de santé. Alléluia. Prochainement, il viendra témoigner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole égale. Je ne sais pas, prophète, s'il vous a donné, elle vous a donné le témoignage. Voilà. Elle vient de témoigner. Donc, quand je te dis, voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Oui, bien-aimé, les tempêtes vont s'élever, les calomnies, la confusion, l'incompréhension, le rejet, ce sont des tempêtes. Mais n'oubliez pas que dans cet endroit-là, Jésus est là. Amen. Faites attention, quand il y a des épreuves, quand il y a des problèmes, de voir la mort. Moindre discussion avec son mari, bon, moi je vais partir. Tu ne vois que la fin. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à réussir là où tu es, quelqu'un dit là où je suis. Là où je suis. C'est sacré. C'est sacré. Amen. Finalement, les choses ne marcheront plus. Est-ce que tu as compris la révélation? Amen. Quand déjà ici tu n'as pas réussi, tu crois que là tu iras réussir? Non. Réussis là où tu es. Amen. Affronte le diable là où tu es. Amen. Parce que la Bible déclare, acclamons le Seigneur. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais c'est contre les dominations. Qui peut me montrer où se trouvent les dominations? Où se trouvent les principautés? Voilà. Ce que tu ne vois pas là est plus fort que ce que tu vois. Bien-aimé, tu n'as même pas à te chamailler tout le temps avec des gens. Tu n'as même pas à avoir des rancunes tout le temps avec des gens. Tu n'as même pas à te dire, si ma vie ne marche pas à cause de... Non, ce sont des dominations, ce sont des principautés, ce sont des autorités. Il faut les détruire au nom de... C'est ce que les gens qui vont faire aujourd'hui. Alléluia. Tu vois déjà que tout le temps ça ne marche pas. Priez pour moi. Ça ne marche pas. Commence à détruire l'esprit de pauvreté, l'esprit de chômage,
Alléluia. Pour les disciples déjà, quelle était leur réaction? Regarde comment tu réagis. Quand les choses ça ne marchent pas, directement, tu réagis pour la fin. Oh, je trouve que non. C'est un esprit de mort. Bien-aimé, tu y as Jésus. Tu ne mourras pas avec ces problèmes. Bien-aimé, tu ne mourras pas dans ces problèmes. Mais tu dois te relever parce que Jésus attend que tu te relèves. Alléluia. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Voilà un autre ennemi de notre exploit. C'est la peur. C'est la peur. Nous devons apprendre à persévérer. Peu importe ce que le diable présente. Attention à l'esprit des morts. Ne dis pas directement que c'est la fin. Ce n'est pas la fin. C'est une leçon que Dieu est en train de te donner. Tu voudras prendre une leçon parce que tu es à l'école de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, plus sera grande ta bénédiction, plus aussi est grande ton épreuve. Amen. Alléluia. Ne te dis pas, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Aujourd'hui, nous voyons des femmes. Avant, elle était mince. Après, elle a grossi. Elle a grossi pourquoi? Elle a grossi parce que peut-être ce n'est pas mauvais. Parce que c'est son mari qui voudra qu'elle grossisse. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des femmes parfois qui grossissent parce qu'elles veulent attirer l'attention de tous les hommes. Quand il passe, il faut que tous les hommes aiment. Surtout, c'est très fréquent à Kinshasa. Il faut que tout le monde aime. Bien-aimé, tu dois combattre cet esprit. Ton corps est le temple. Toi, tu dois rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a même des femmes qui se disent, je ne peux pas réussir ici parce que j'ai vieilli. Bien-aimé, chacun de nous peut entrer dans la bonne saison. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas des échecs qu'on a endurés. Mais maintenant, avec Jésus, avec Dieu, tu peux entrer dans la bonne saison. Bien-aimé, qu'est-ce qui va leur arriver? Jésus leur dit, mais pourquoi vous avez peur? La peur. La peur de l'échec. La peur de l'échec. La peur de l'échec. Tu as fourni trop d'efforts. Regarde là où tu es arrivé. C'est la peur. Parce que tu as peur. Parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons peur. Il y a des réactions que nous faisons parce que nous avons peur. Alléluia. J'ai vu une femme ici à la télévision, une blanche à la télévision, qui était sortie avec son copain. Alors, il demanda à tout moment à son copain de regarder tout droit comme ça. Il ne faut pas regarder ni à gauche, ni à droite. Quand son copain essayait de elle criait, c'est la peur. Bien-aimé, sois libre dans la vie chrétienne. Bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a pris en charge. Le combat ne t'appartient plus. Mais le combat appartient. Bien-aimé, le jour où la fille de Pharaon est allée prendre l'enfant Moïse, est-ce que sa mère était là? Le combat appartient à l'Éternel. L'Éternel va prendre soin de toi. L'Éternel va défendre ta cause. Bien-aimé, crois au Seigneur. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi, pourquoi tu as peur? La plupart des fois, nous sommes dérangés par la peur. On se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je deviens demain? Non, bien-aimé, avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Dieu veut que tu puisses croire à sa parole. Amen. Dieu veut que tu acceptes ce qu'il m'a fait voir à moi, que parole égale Dieu. Dieu égale parole. Si c'est Dieu qui a parlé, je m'accroche. Amen. Quelle que soit la longueur de la nuit, bien-aimé, tu verras ton jour. Amen. Alléluia. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi, pourquoi tu as peur? Oh Saint-Esprit, bien-aimé, je veux que tu sois libéré de la mort et que tu sois libéré de la peur.
crois que Dieu existe, il est là. Lorsque tu le cherches, il est là. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Peu importe tes échecs, n'aie peur de rien. Jésus est dans ta barque. Alléluia. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva et menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Lorsqu'on parle des exploits, à la fin, les gens doivent s'étonner. Les gens doivent s'étonner. Bien-aimé, moi, j'ai aucun complexe. On peut me mettre dans une même auditoire avec un homme rempli du Saint-Esprit. Lui, on lui donne le micro. Moi, si je vais attendre mon tour. Alléluia. Bien-aimé, le même Saint-Esprit qui crée l'étonnement, il descend et sur les hommes et sur les femmes. Le jour de la Pentecôte, et les hommes et les femmes ont été visités. Bien-aimés, les gens doivent s'étonner de la réponse que Dieu va te donner. Tu marcheras librement. Voilà ce que le Saint-Esprit a parlé pour le premier jour. Jésus, ton Jésus, est plus grand. Et plus grand que la tempête. Quand on parle de tempête, on voit épreuve, on voit confusion, on voit incompréhension. Tout ce qui t'est arrivé, je te présente un Jésus plus grand. Plus grand que la mort. Ne vois pas la mort et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Que ce qui t'arrive, c'est ce qui m'est aussi arrivé. Jamais. La Bible déclare que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint dans ce qui t'est arrivé. Moi, c'est moi. Moi, je fais des exploits avec Jésus. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Rendez grâce à Dieu, c'est là que vous avez écouté cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. On dit à Dieu merci. Jésus, mon Jésus est dans ma barque. Il est plus grand que la tempête. Élevez le main, bien-aimé. Disons à Dieu merci. Merci Seigneur. Tu es plus grand que la tempête. Quelle tempête qui s'élève dans ta vie. Dis à Jésus merci parce qu'il est plus grand que cette tempête là. Jésus est plus grand. Merci Seigneur. Plus grand que cette tempête là. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Au nom de Jésus. Bien-aimé, à une nouvelle que tu as écoutée, à un problème que tu es en train de connaître, tu vois déjà la fin. Tu vois déjà la mort. Est-ce que tu peux te repentir? Répends-toi. Répends-toi pour ta mauvaise vision. Bien-aimé, tu n'as pas une bonne vision de ta propre vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardonne-moi, papa, pour la mauvaise vision. Je ne crois pas que Dieu est là. C'est un péché. C'est un péché de ne pas croire que Dieu est là. Demande pardon à Dieu. Seigneur, que tu me pardonnes. Là où je n'ai pas cru de ta présence, les disciples n'ont pas cru qu'il était là. Oh Seigneur, tu es là dans mon ministère. Seigneur, tu es là dans ma maison. Seigneur, je me repens de mon incrédulité. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Directement, je vois la fin.
Maintenant, je vois que tout est fini. Pardonne-moi. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu as peur. Tu as peur. La Bible dit, n'aie pas peur du lendemain. Demain prendra soin de lui-même. N'aie pas peur pour demain. Qu'est-ce qui m'arrive? Demande pardon à Dieu. Parce que tu as peur. Qu'est-ce qui m'arrive demain? Non, bien-aimé, avec Dieu, demain nous ferons des exploits. Aujourd'hui nous ferons des exploits. Demain nous ferons des exploits. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Maintenant tu vas détruire tout esprit de mort. La mort spirituelle, la mort physique. Ce que le diable te montre, tu finiras comme ça sans mariage. C'est la mort spirituelle. Détruis ce pouvoir. Tu finiras comme ça sans papier. Détruis ce pouvoir. Tu finiras comme ça sans paix. Détruis ce pouvoir. Jésus est dans ma barque. Prions bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Allons, renverse ce pouvoir. Je te détruis, toi, esprit des morts. Je te maudis, toi, esprit des morts. Je proclame que Jésus-Christ est dans ma barque. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est dans ma barque. Toi, esprit des morts. Dans toutes tes formes. Je te détruis au nom de Jésus. Je te détruis au nom de Jésus. Oh, kabalabalabalabalabalabalabalabala. Esprit des morts, toi qui me dis que c'est la fin, toi qui me dis que c'est fini, je maudis ta parole. Je maudis ta parole. La parole qui me dit que c'est fini, je maudis cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Va détruire, bien-aimé, esprit de peur. Le diable te fait peur. Les situations te font peur, te font peur. Les circonstances que tu es en train de vivre amènent la peur. Maintenant, tu as compris que Jésus est dans ta barque. Alors, renverse cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui me montres la peur. Toi qui me dis que je ne peux pas m'en sortir. Esprit de peur. Esprit de peur. Je te maudis au nom de Jésus. Esprit de peur. Je vous maudis au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place. Vous n'avez plus de place. C'est fini. C'est fini la montée de toi. Au nom de Jésus. Au nom de bien-aimé, la mort dans toutes ses formes est partie. Quelqu'un me dit amen. Amen. La peur dans toutes ses formes est partie. Amen. Maintenant, proclame que je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis libre de la mort. Je suis libre de la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu peux parler à la tempête. Ses racines sont parties. Ses racines étaient la mort. Ses racines étaient la peur. Et la tempête vient seulement se manifester. Maintenant, tu vas parler aux tempêtes. Tu vas parler à la tempête. Tu les détruis au nom de Jésus. S'il y a plusieurs tempêtes, tu les détruis au nom de Jésus. S'il n'y a qu'une seule tempête, tu la détruis au nom de Jésus. Prions bien-aimés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je détrône de toutes les tempêtes. Esprit de tempête. Tu viens déranger ma vie. Ma vie, je vous détrône, je vous détrône. Esprit des tempêtes, esprit des tempêtes, je vous détrône. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
se calme dans ta vie. Amen. Et que toutes les tempêtes quittent ton territoire. Amen. Je parle aux tempêtes. Taisez-vous et calmez-vous. Amen. Et quittez ce territoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cette parole vous touche. Je maudis l'esprit des morts dans toutes ses formes. Au nom de Jésus, je maudis la peur dans toutes ses formes. Soyez libres de la mort. Vous avez gagné la mort. Recevez cette victoire. Vous avez gagné la peur. Et merci Saint-Esprit bien-aimé. Je le vois s'écrouler. Je vois la mort et la peur s'écrouler. Élevez la main. Élevez la main. Vous que l'on a destiné. Il y a un homme dans la salle. Le diable l'a destiné. Peu importe ce que tu peux vivre dans la vie, mais regardez la fin de ta vie. Les hommes, je place le feu. Je place le feu. Toi, esprit, de mettre la fin. Le diable déjà te montre déjà, voilà comment tu termineras. C'est ce qui te rend malheureux. Je maudis ce pouvoir. Papa, touche ton cœur. Si tu es concerné par cette parole, touche ton cœur. Qui es-tu, grande montagne? Cet homme n'est pas créé à ton image. Libère son territoire. Toi, esprit des morts. Toi, esprit des peurs. Qui nous montre la fin. Moi, je te maudis. Au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Cette causerie que le diable te montre. C'est fini la causerie que le diable te présente. Papa, tu es libéré. Et Saint-Esprit. Libéré. Le diable ne peut plus te montrer ta fin. Parce que Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta barque. Oh la ba. Élève les mains. Monte. Élève les mains. Jésus se lève cet après-midi. Maintenant c'est le tour. Jésus se lève. Il s'est élevé. Il s'est manifesté. Là où le diable a agi, Jésus s'est manifesté. Élève très bien tes mains. Nous allons crier trois fois Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, il doit se manifester dans ta marque. Fini les querelles. Fini les disputes. Fini la confusion. Fini la peur. Fini la mort. Trois fois Jésus. Jésus. Montez avec moi. Jésus doit se manifester maintenant. Jésus doit se manifester maintenant. Jésus doit se révéler maintenant. Oh, la. Les mains levées, les mains levées. Jésus s'est révélé. Les mains levées. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, trois fois encore. Jésus. Jésus prend place. Il s'est levé. Il a calmé la tempête. Il est là, il est là, il est là, il est là. Sois touché, Jésus est là dans ta vie. Sois touché, Jésus. Merci Saint-Esprit. Élève les mains, élève les mains. Élève les mains. Élève les mains. Oh ma. Toutes servitudes s'écroulent. Toutes servitudes s'écroulent. Toutes servitudes s'écroulent. J'ai besoin des mains. Élève bien les mains. Toutes les servitudes s'écroulent. Toutes les servitudes s'écroulent. Encore trois fois. Jésus. 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 Restez calme.
secours te vient des cieux. Amen. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, merci Saint-Esprit, là où tu es, la servitude s'écroule. Là où tu étais esclave, là où tu étais zéro. Merci Saint-Esprit. Et sois touché. Élève les mains. Toi qui veux voir la délivrance, tu ne seras plus esclave. Merci Saint-Esprit. Touche-moi. Touche-moi, élève les mains. Tu ne seras plus esclave. Élève simplement les mains. Jésus va se révéler. Oh, babalabalabala, touche-moi. Oh, babalabalabalabalabalabalabalabala. Trois fois encore, Jésus! C'est fini. Fini la servitude. Fini la honte. Fini la mort. Fini la peur, bien-aimé. Je vois, on a élevé tes mains. Et en élevant ton main, on est en train de couper des choses derrière toi. Hé, hey, Saint-Esprit. En élevant tes mains, on coupe les choses derrière. Élève le Saint-Esprit est là. Fini la honte. Oh, Jésus est là. Merci Saint-Esprit. Trois fois encore, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, élève le main. Fini la mort. Je brise le pouvoir de la mort. Je brise le pouvoir de la peur. Sois à jamais libre. Merci Saint-Esprit. Oh, Élève les mains, j'ai pris pour toi.
Je te détruis. Je te détruis. Toi, esprit des morts. Fire, fire, fire. Je place le feu sur toi, esprit des morts, qui amène la mort dans cette vie. Que le feu te consume. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi, esprit des peurs. Merci, Saint-Esprit bien-aimé. En élevant tes mains. En élevant tes mains. Jésus se réveille. Le feu, le feu. Faya, 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 faya. Qui peut encore te contrôler? C'est Jésus qui te contrôle. Qui peut encore te dominer? C'est Jésus qui te domine. Je place le feu. Sois consumé. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je maudis l'action du diable. Élève les mains. Ouvre les yeux, regarde-moi. Il y a quelque chose qui vient chez moi qui te touche. Regarde-moi. Tempête. Sors. Sors. Pouvoir des tempêtes. Regarde-moi, il y a quelque chose. Pouvoir des tempêtes, sort. Merci Saint-Esprit. Pouvoir des tempêtes, libère sa maison, libère son ministère, libère ses affaires, libère son travail. Regarde-moi, ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi, je t'apporte quelque chose. Sois libre. Sois libre. Et pouvoir des tempêtes. Pouvoir des tempêtes, je t'ai demandé. Amène-moi cette femme. Amène-la. Monte. Monte. Je place le feu. Pouvoir des tempêtes. Pouvoir des tempêtes. Qui es-tu? Qui es-tu? Sors. Sors. Libère sa vie. Qui est contre la terre? Qui est-tu? Qui veut contrôler sa vie? Sors! Je place le feu. Faille! Laisse-le. Sors! Qui veut contrôler sa vie? Toi qui veux contrôler sa vie? Je te maudis. Qui n'a pris sur sa vie? Tu ne pourras plus.
Regarde. J'ai quelque chose à te donner. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Maman pasteur Shalom alléluia. Shalom. Oui. Tu es dans séminaire à Tolandi. Comment trouver maman bishop Amy Coutinho Maté au Yambi Ondeni. En tout cas Maté alléluia, c'est là qui fantastique. Vraiment azali moi c'est moko o nzambe azo que tu lisais puissamment. Les lots moni le boko na nzambe. Donc vraiment nazo le bana ba oyo ba vana bandako. Ba ya ba ko vivre. Le beau qu'on a en Zambé, Nzambé, alors maman, toi, qui était Tobi lundi, mardi, na mercredi. Oui, lundi, mardi, mercredi, awa ekozala moto. Donc tout ça na montagne de feu. Vraiment lundi, yom toye le loté dimanche, yaka lobi lundi, yaka mardi, yaka mercredi, avec une décision comme cette femme de perte de sang qui a dit que avec pour mon problème, je vais aller vers Jésus et je sais que c'est Jésus-Christ qui va me guérir et elle était guérie parce que elle avait pris une décision. Vraiment, je t'invite mon frère, ma soeur, toi qui m'entends maintenant, toi qui es à la maison, viens, toi qui as un problème, jusqu'à aujourd'hui tu ne trouves pas la solution, viens lundi, viens mardi, viens mercredi, tu vas voir le miracle parce que la Bible déclare que le temps des miracles n'est pas encore passé. Merci beaucoup maman. Merci. Je vous rappelle, c'est notre maman pasteur. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Tout le monde a impression et prestation à prédication à maman Amy, maman bishop. Bon, je suis le frère papi, maman bishop, azamoto yo, vraiment zambasale la raye. Biso azamoto voyage naye, na konta moussala, ozoabilili. Partout où elle passe, vraiment le Saint-Esprit à travers naye. Et puis azamoto, oh, quand il apporte la parole de Dieu, ayara na mpona mbangu mbangute. Elle se prépare et cherche d'abord la face de Dieu et vous verrez la suite, ça sera merveilleux. Au nom de Jésus. Merci beaucoup frère papi. Bien passé, les Canibiens, c'était vraiment formidable parce que cette année 2014, avec Dieu, nous ferons des espoirs. En tout cas, nous avons la foi que nous ferons des espoirs vraiment. En tout cas, merci que Dieu bénisse encore sa servante. Beaucoup de bonnes choses, merci. Merci beaucoup maman. En fait, nous sommes bien là. Vraiment, tout ce pays na maté à maman Amy présence naïe. Tout ce pays n'ango toujours encore quelque chose de nouveau na Paris en Zambie. Donc c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Alors maman maté à maman Amy au trouvant on déni. Nous trouvons bien, on est béni. Dis-moi Likambo.
nazo ebele likambo moko te mebele. Merci beaucoup maman. Alors maman to tomoni na mate ya maman Emi ah et loni nos yeux trouvant ndenge nini. En tout cas je suis béni béni et alors béni. Donc ah bazo pambola donc bazo donc ba solde ma pamboli venez le lundi le mardi le mercredi boya ah parce que bazo solde ba solde ma pamboli boya bazo pesa ngo ya kokabela ya ebele venez nombreux boyo ka maman Bishop Emi Kutino. Merci d'avoir suivi cet élément, n'hésitez pas à venir si c'est pour tout le monde, païen, politicien, pharmacien, montunion surtout boya koyoka mate ya maman Emi. Nous vous disons merci d'avoir suivi cet élément. Derrière la caméra, Triple K, John Kaninda, Abeba, Lipordo, Dan, Kouloutou Yabouania, Pasteur Francis Lola, merci beaucoup. Apôtre Paul, quatrième personne, merci beaucoup. Adi Londolé, l'éternel masculin, célèbre, journaliste, beau comme un dieu. Malgré tout ça, je vous aime quand même. Je vous dis merci, à très bientôt et bye.